Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. C'est Titi et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo Minecraft Jurassic World. Je vous fais là c'est notre deuxième vidéo Minecraft Jurassic World. Donc je refais une petite visite pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Donc là, on a l'enclos des raptors avec Blue, Charlie, Echo, Delta et tout ça. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, là, on a l'enclos pour les bébés dinosaures. Là, c'est les gyrosphères avec Apatosaur, Brachiosaur, Stegosaur, Ankylosaur, Triceratops. Donc avec les gyrosphères. Et ici, nous avons au début du Jurassic World 1, dans la présentation du parc, on voit des gens en kayak qui font une balade sur la rivière. Donc là, c'est un peu le même genre que je vais faire. Donc je vais faire jusque là-bas. Donc là, c'est en travaux. Pour l'instant, c'est en travaux. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un ankylosaure, un stégosaure et un triceratops. Et donc on va commencer cette vidéo par l'ankylosaure, le plus facile à faire et le plus rapide aussi, justement. Donc pour l'ankylosaure, il va nous falloir trois choses. Déjà du béton gris, pâle. Ensuite, il nous faudra une barre de lender et mes petits boutons noirs que j'aime bien, boutons de roche noire poli. Il est poli. Et donc, nous allons commencer notre triceratops. 1, 2. Donc, avec 1 en espace, là on fait 2, tac, là. Et voilà, donc là on a notre base, 2 de longueur, 1 de largeur, quand c'est espace. Là on fait ça. Et on peut rajouter pour la carapace, ça. Alors moi je vais faire la tête de ce côté-là. Je vais faire la tête de ce côté-là, et là ça va être la queue. Ok ? Donc je vais commencer par la tête. C'est facile. Tac. Hop. Et un œil de chaque côté. Et pour la queue, c'est aussi facile. Hop. Regardez, on n'a même pas... là, il est terminé. Hein. Il est terminé. On n'a même pas mis 4 minutes. On a fait que 3 minutes et 20 secondes. Un peu moins, vu que j'ai fait la présentation et tout ça. Non, ça va très vite, très très vite. Ensuite, on va faire le triceratops, donc qui est là. Voilà, et pour cela, il va nous falloir du béton rouge et béton vert. Pas du vert lime, mais du vert un peu foncé, on va dire. On va devoir prendre une barre de lender et mes petits boutons noirs pour le triceratops. Voilà, donc on va faire notre triceratops. Je sais pas ce que j'ai fait là. Le triceratops ici, du coup. Tac, alors on va espacer de 1. Et je crois qu'on là on va espacer de 3. Voilà, on va espacer de 3. Après on rajoute une couche comme ça. Et après on rajoute et on ferme. Donc là on a fait notre... Ah non, je me suis trompée.
Alors, je me suis trompée, c'était pas ça. Désolée, je me suis trompée à mort. Voilà, donc faut juste reculer. Donc là, c'est 2 de longueur en espace et 1 de largeur. Et donc là, on va continuer notre triceratops. Donc là, je fais la tête. Là, je fais la queue. On est bien d'accord? On est d'accord. Donc, je vais faire la tête. Tac, tac, tac. On rajoute une couche. Et là, ça. Voilà. Et ensuite, on va recouvrir ici. En faisant, en débordant, on va dire, on va recouvrir en débordant là et là. Voilà, si vous voulez, vous pouvez casser. Et on va remplir de rouge. On va remplir de rouge et on va mettre un cube là. Donc vous pouvez faire une pause si vous avez du mal, revenir en arrière dans la vidéo. Ne vous gênez pas. Donc là, on va faire 3 derrière la tête. Je mets les yeux tout de suite, comme ça c'est fait. On reprend le béton vert. Hop, on refait une couche un peu plus en hauteur. Et on termine par ça. Dommage. Ensuite, on va mettre les cornes. Hop, donc moi je mets ça comme corne. Vous pouvez utiliser d'autres trucs, hein. Il existe plein d'autres trucs. Donc ça c'est mon triceratops. Avec une queue bien sûr, il faut leur ajouter une queue. Donc moi j'en mets 2, vous pouvez en mettre 1 ou vous pouvez en mettre 3. C'est vous qui décidez encore une fois, moi j'en mets 2, j'en mets 2. Vous vous demandez ce que c'est? Alors ça c'est un apatosaure, j'ai fait une vidéo sur lui. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, ça dépend de vous. Donc voilà, assez parlé. Et ensuite, nous allons terminer par roulement de tambour, le stégosaure. Je me suis ratée, donc roulement de tambour, le stégosaure. Ok, ça marche. Donc là, il va nous falloir un petit peu plus d'objets. Donc on reprend du béton. Là, on va prendre du béton jaune et du béton vert lime. Ok, ça suit. Ensuite, on va aller dans les murs. On va prendre mur en grès. En grès. Voilà. Ensuite, là on n'a pas besoin, on va reprendre barre de lander et mon petit bouton noir. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Oui, nous avons oublié petit bouton de bouleau, le plus clair en bois. Et voilà, donc nous allons faire notre stégosaure, c'est parti. Voilà, donc on va commencer avec un. Je crois que... Attendez, il faut que je revoie mon stégosaure. Voilà, il est là le modèle. Donc un en espace pour la largeur et 3 en longueur. Donc, ce qui fait un peu ça. Et ça. Ensuite, on va monter de plusieurs cubes. Alors, là, on va s'arrêter à 2. On va s'arrêter à 2. Et ensuite, on va prendre le béton vert lime. Et on va recouvrir entièrement, totalement, tout ça. Ok, on suit. Voilà, ensuite vu qu'on a fait ça, on va pouvoir
Tac. Tac. Normalement, c'est combien? Ok, c'est 3 avec... Ok, j'ai compris, j'ai compris. Alors moi, je vais mettre ma tête ici. Je vais mettre ma tête ici et ma queue derrière. On va faire ça. Tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors normalement, je crois que c'est ça. Ou c'est peut-être un peu plus... Non, c'est ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc on va commencer par la tête, du coup, hop, c'est vite fait, c'est ça, enfin je pense, oui c'est ça, c'est bien ça. Donc on va mettre les yeux ici, ensuite nous allons prendre les boutons de bouleau, on va en mettre un ici, on va peut-être mettre un là. Enfin, je pense. Ouais, c'est bien ça. Tac, tac, tac. Et pour la queue, c'est simple. 2 et 3. Donc voilà. Et ensuite, nous allons mettre nos épines de chaque côté. On va pouvoir mettre celle-là, celle-là et celle-là. Donc voilà notre stégosaure Minecraft. Je trouve aussi plutôt bien fait. Et donc là, le Triceratops et l'ankylosaure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans vos constructions. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis bye bye. Nous avons fait 3 dinosaures en moins de 13 minutes.